Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, moi ça va bien, mais avant qu'on commence cette vidéo, hein, et je te dirai pourquoi faut regarder cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui se trouve en bas, mais qui ressemble à ceci, d'activer des petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, de partager, de liker, enfin tu connais l'histoire, donc voilà, fais-toi plaisir. Donc comme je vous ai dit, voilà, aujourd'hui j'ai reçu la petite Candice Unbox du mois de décembre, donc on va pas traîner et on va aller regarder ça ensemble. Allez, c'est parti, générique. Bon bah voilà, comme je te l'ai dit le mois dernier, ou enfin il y a quelques semaines, voilà, j'avais merdé la commande de chez Candysan, voilà, c'était de ma faute, c'était pour moi, enfin voilà. Mais je vous ai promis qu'au mois de décembre elle allait revenir, et c'est chose faite, j'ai promis, j'ai tenu bon. La voici, la Candysan Box du mois de décembre 2022, la dernière pour cette année, et on verra pour l'année prochaine, mais pour l'instant ça c'est la dernière de cette année. Et puis, peut-être que tu n'as pas remarqué, mais tu as vu, je suis plus au même endroit comme d'habitude, voilà. J'ai des pops là sur le côté, d'habitude elles sont derrière, là elles sont sur le côté. Mais l'autre décor reviendra de temps en temps, c'est promis. Voire peut-être plus souvent que celui-là, enfin on verra bien. Mais on va pas traîner, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'on a reçu de beau. Alors, hop. D'habitude je vous montre la Candysan, cette fois elle est juste en dessous parce qu'il manque une petite table comme ça, voilà, pour bien faire, hein, ma foi. On fait pour l'instant comme on peut, on n'est encore pas tout à fait opérationnel, mais bon. Alors, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau dans cette petite Candysan, enfin. Le petit sticker pour Noël, voilà, comme d'habitude, on a ici le petit sticker. On a les petits trucs pour donner les petites dates, hein, ça on connaît. On a Joyeux Noël de Candysan, voilà, comme ceci. C'est fort sympathique, c'est cool. Hein. On a de nouveau les petites pubs. Hein. Je ne vais pas vous remontrer parce que on les connaît depuis le temps. Nous avons reçu cette année, enfin cette année, c'est pas le premier que je reçois, mais cette fois nous avons un petit pins, voilà, qui est ici, voilà, qui est fort sympa. Et puis on va déballer ceci. Oh! Déjà, quand on l'ouvre, ça arrive, c'est déjà comme ça, c'est déjà fort sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par prendre paquet par paquet. Nous avons, on dirait des chips à la patate douce, on dirait bien, vu l'aspect, ça a l'air en tout cas. Alors, Strong Potatoes, ouais, bah, patate, je pense que c'est ça. Hein. Voilà. On va essayer d'ouvrir. Ah la vache, il tient bien l'emballage. Bon, on va faire un peu au sauvage. Hop. Mais tu vas t'ouvrir, cochonnerie de paquet. Je suis là pour manger ce qu'il y a dedans, moi. Voilà. Alors ça ressemble, la forme ressemble un peu au Pringles, voilà, comme on peut voir. On sent un tout petit goût sucré, mais vraiment très très léger, de la patate douce. Mais c'est pas trop fort. Ils sont un peu épicés, un peu style paprika, mais léger. Elles sont vraiment pas mauvaises. Il faudrait une table un petit peu plus grande pour que je puisse poser les trucs à côté. Parce que pour l'instant, j'ai un tout petit truc. Bon, ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Choco Carinto, ok, nous avons, voilà, nous avons ceci, voilà, Choco Carinto. Alors, il y a un petit truc pour pouvoir ouvrir, voilà, ça sent super bon, ça se présente comme ceci, voilà, on dirait des petites crottes, mais... En fait, c'est une espèce de riz soufflé enrobé de chocolat. C'est très bon. C'est très très bon. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bon. Allez hop. Next.
Ensuite, nous avons le Lot Choco Pie, voilà. Ça a l'air d'être un petit gâteau chocolaté framboise. On a déjà eu des similaires dans d'autres box. Je me souviens que ça partait un peu en sucette, ouais c'est ça. Parce que c'était assez friable, si je me souviens bien. On voit, il est comme ceci, un petit peu éclaté. Mais... ouais, c'est comme ça à l'intérieur. Et vous avez une couche de biscuit, une couche de crème qui est envoyée un peu clair, une petite couche de biscuit, et on a une espèce de couche de confiture de gelée de framboise. C'est super bon. Non, c'est très friable. Voilà, j'en mets partout. Mais c'est extrêmement bon. Je vais vous dire, je vais le finir, hein. Je vais pas en laisser une seule morse. Hein. Il n'y a pas moyen, c'est trop bon. Hein. Bref, passons. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons de beau là-dedans? Oh. Nous avons un petit truc, c'est marqué Christmas, oui, ok. Merry Christmas, ok. Nous avons un petit paquet comme cela, voilà. Je sais absolument pas ce que c'est. Alors, on dirait une espèce de petite barre chocolatée. Je suis pas convaincu que ça soit une barre chocolatée. Non, c'est du salé, hein. Voici, ça ressemble à ceci. C'est pas très appétissant, je vous le concède. Mais... ok, j'en ai déjà eu différemment. C'est une espèce de... truc au sucre soufflé. C'est très bon. C'est très très léger, très bon. Maigre sucré, évidemment. Là, vous pouvez voir à l'intérieur comme c'est. Voilà. C'est vraiment alvéolé à fond. On va pas tout y manger parce que là, la condisane, l'apport de sucre, ça y va. Hein. Ensuite, alors, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Christmas, oui. C'est normal que ça soit du Christmas. C'est la condisane du mois de décembre. Donc, il y a bientôt Noël. Voilà. Donc, nous avons ceci. Voilà. Hein. Un petit paquet comme cela. Je sais absolument pas ce qu'on a de beau là-dedans. Voyons voir. Ah, on a déjà eu, mais c'était différemment. Ok. C'est des petits snacks comme ceci. Voilà. Soufflé, on dirait. On dirait au maïs. Il n'y a pas vraiment de goût. C'est des petits crackers soufflés, salés. Et vous voyez, j'y reviens, hein. C'est super bon. C'est pas mauvais du tout, du tout, du tout. Bon, ensuite, nous avons ceci, voilà. Non. Je me demande si c'est pas la même chose, en fait, que la petite barre là sucrée que j'ai eue tout à l'heure. Vu l'aspect, ça a l'air d'être exactement la même chose. Ah non, non, non. Voilà. Là, on voit, c'est un petit... c'est un espèce de tube. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est au maïs. C'est ultra bon. Ah ouais. Un maïs soufflé, je sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais c'est une petite tuerie. Bon, on va pas s'arrêter en bon chemin, hein, on va continuer. Hein. Alors, ensuite, nous avons de chez Sangaria Miracle Body 5. Voilà, une petite boisson comme ça. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. On va tester, hein. Voilà.
C'est gazeux. C'est vachement chimique. Mais c'est vachement bon. Alors, bon, ça se rapproche du 7-Up, mais pour moi, il y a une petite touche, je sais pas, je dirais peut-être cerise, peut-être pastèque. J'ai de la peine à identifier le goût. J'essaierai de regarder chez Candistan pour voir. Ce goût, je le connais. Je l'ai déjà bu ou j'ai déjà mangé quelque chose qui s'y rapporte. Et je connais. Par contre, j'arrive pas à vous le sortir. J'essaierai de vous le trouver puis vous le mettre juste là. Hein. Mais ça va m'aider pendant la dégustation à boire un petit coup pour annuler le reste. Bon, ensuite, nous avons de nouveau un petit paquet comme cela qui est fort sympa. Hein. On va voir ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Ah, c'est une petite barre chocolatée. Celle-là, elle va y morfler. Voilà, ça ressemble, c'est comme ceci. C'est une espèce de... Comment dire? De petite gaufrette. Super aérienne, avec un petit peu de chocolat au bord, au-dessus. Qui est pas mauvais du tout, qui passe bien. Non. Rien à dire, c'est très bon. Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Quelques petits trucs intéressants. Ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être gros, donc on va pas tout faire tout de suite. Allez, soyons fous, on va prendre ça. Donc, ceci, je n'ai aucune idée. Ça a l'air d'être fort sympa, je sais pas. Voici la tronche que ça a. Hein, le packaging, et on peut voir dedans ce qu'il y a. Franchement, hein, vous pouvez être content, hein, parce que le seul qui se fait avoir avec les cochonneries des fois dedans, c'est pour Bibi. Hein. J'aime bien vous faire ça, faut pas, sinon j'y ferai pas. Hein. Mais des fois, il y a des trucs quand même vachement space. Hein. Alors, ah, odeur de cacahuète, voilà, ça ressemble à ceci. Quand vous croquez dedans, c'est comme assez dur, mais ça devient mou. Ça se mélange avec la poudre de cacahuète qui est autour. C'est indescriptible. Mais c'est bizarre et bon à la fois. Je sais pas comment vous l'exprimer. Mais je vous rassure, c'est pas immonde. Hein. Ça doit être à la cacahuète avec quelque chose d'autre. Bon, passons. Alors, on va prendre ceci. Donc nous avons un petit packaging carré comme ceci, voilà. Hein. On dirait des petits snacks à la pomme de terre allongée. C'est exact, voilà. Ça ressemble à des fritas. Hein. Ça ressemble à des frites, comme ça longue, en crackers. On dirait, franchement, on dirait des frites. Il manque un petit peu de sel pour que ça soit des frites et chaud, mais c'est pas mal. Comme petit snack pour l'apéro, avec une petite bibine, c'est pas mal. Ensuite, ça j'hésite. Comment vous dire? Voici ce que j'ai reçu. Il y a des trucs quand même un peu chelous. On dirait une boisson soupe. Alors, c'est marqué comme quoi faut y secouer. Quand on regarde la duf, c'est marqué. Faut secouer. On secoue. Voilà.
Ah, c'est ça. Ok. C'est un petit bouillon. Ah, ok. Curry soupe. Curry soupe froide. Alors, c'est pas mauvais du tout. Pour moi, je pense que ce serait un peu écœurant à la longue. Le curry, on le sent super bien. C'est très très bon. Si vous aimez pas tout ce qui est piquant, c'est quand même bien, c'est relevé. C'est pas monstrueusement fort. C'est quand même relevé. C'est pas mauvais. Moi, je suis pas adepte. Voilà. Mais, à la rigueur, si vous voulez prendre ça... sur le coup des 10 heures, parce que vous avez un petit creux, puis vous voulez pas manger du sucré ou quelque chose, machin, une petite soupe comme ça, je pense que les Japonais ils sont assez friands de ça. C'est pas mauvais, pas mon dada, mais pas mauvais. Entre les deux, je vous avoue que j'ai une préférence pour celui-ci, étonnamment. Et justement, on va se rincer un petit peu le gosier. Ouais. Y a pas photo, je préfère l'autre. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Plus 36 000 trucs, mais des petites choses sympathiques encore. Bon, alors, nous avons ceci. On dirait cabaya, ok. On dirait, vu qu'il y a des petites, un petit dessin de pommes, on dirait que c'est à base de pommes. Voilà. On dirait bien, mais... Voilà, je suis pas convaincu, mais bon. Hein, faut tester, hein. Ouh, ouais, ça sent le chimicos. C'est un petit bonbon gélifié, hein, voilà, il est là, tout bêtement, hop. C'est un bonbon. Je trouve qu'il n'y a pas trop le goût de pomme. Ah si. Il vient, faut le croquer un petit peu, faut laisser prendre de l'ampleur. Mmh. Ah oui, au final, il est pas mauvais du tout. Hein. C'est un petit bonbon en gelée à la pomme qui fait son petit office. C'est pas mal. Bon, ensuite, allez, nous avons reçu ceci. Hein. Évidemment, ils sont très friands des Kit Kat. Et ceci, ce sont des Kit Kat à la châtaigne. Marron, châtaigne, enfin voilà, vous m'avez compris, hein. Hop. Alors, voyons voir, on va les goûter, parce que ceux aux fruits, je les aime bien. Celui-là au matcha, j'ai un peu plus de peine, mais ils sont très bons aussi. Et ça, c'est à la châtaigne. On dirait un peu le pain d'épices. Chocolat blanc autour. Alors, on y sent un peu, mais c'est vraiment très 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 léger. Vraiment très léger. Ensuite, alors, on va faire ceci. Ce sont des petits... Ah ok, ce sont des petits bonbons style fraisier, voilà. Comme ceci. Je pense que ça peut être pas trop mal. Est-ce qu'ils ont la forme des petits fraisiers? Alors, ils sont... C'est pas vilain, c'est... Voilà, c'est du petit bonbon. J'ai rien à dire. Ils sont bons, ils sont moelleux. Il y a un bon petit goût de fraise, il n'y a rien à dire. C'est propre et c'est bon. Voilà, nickel. Bon, il y a encore deux petites choses qui sont super bonnes que je connais déjà. Il y en a une, pardon, contre que je connais encore pas. Donc on va y tester de suite. C'est ceci. Voilà. Et on voit bien. Enfin, je l'ai vu à travers avec la lumière qui m'arrive sur la tronche depuis derrière. Je vois bien la grosseur et je vous dis que le machin, il est costaud. Hein.
Alors, à mon avis, c'est nouveau à la cacahuète ou à quelque chose, une poudre, je sais pas ce que c'est. Ça se présente comme ceci, voilà. Comment vous dire que c'est petit, voilà, on voit qu'on a quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup. Une odeur un peu de cacahuète assez... On teste, hein. Voici dedans. Alors, on dirait ces espèces de petites crêpes ou de pancakes japonais avec une couche de cacahuètes, on dirait, et en dessous c'est de la pâte de Hanko. Ça a l'air d'être de la pâte de Hanko. Et c'est très bon. Au final, ça se marie pas mal ensemble. Après, faut aimer. Pas tout le monde va aimer, hein. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait frais. Ça se laisse manger tout seul. C'est horrible. Ils ont des trucs, des fois, un peu space, mais qui sont bons parce qu'on y revient et on y mange. Et on mange tout. Bon. Un petit coup pour se désaltérer, hein. Et rincer. Donc ensuite, il nous reste ceci. Allez, on va commencer par ça parce que je connais déjà, mais je vais vous montrer. Nous avons des petits bonbons, si je ne me trompe pas, acidulés coca, qui sont horriblement bons. Voilà. Avec en fait dessus, c'est, du sucre cristallisé, mais qui est assez épais. Voilà. Ah non, ceux-là, ils sont différents. C'est du sucre dessus, mais... Je pensais qu'ils étaient plus gros, les morceaux plus gros. Enfin, ça y est. Acidulé. Goût coca. Y'a rien à dire. Ça match, c'est bon. Ça, je peux me bouffer le paquet en 5-5. C'est l'horreur. Bon. Malheureusement, nous arrivons au dernier petit paquet. Des petits mochis à la fraise, voilà. Voilà ce que j'ai reçu dans le petit paquet. Des petits mochis fraises. Donc ça a l'air d'être pas mal. On va ouvrir ceci. Ça, c'est chouette. Quand vous l'ouvrez, voilà. Hop, tous vos petits mochis sont emballés individuellement dans un petit sachet. Voilà. Ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est vraiment du mochi, pâte mochi, c'est excellent, c'est magnifique. Alors, voyons voir. Vous avez la pâte de mochi. Alors, il n'y a qu'un seul truc que je trouve dommage. C'est qu'à l'intérieur, vous avez un insert. Et je pensais que c'était un insert à la fraise. Mais en fait, c'est un insert au chocolat. Donc, le mochi est très bon. Le seul souci que j'ai, c'est que cet insert chocolat masque complet le goût de la fraise. J'essaie de prendre que de la pâte. Ah, ok. Strawberry, chocolat, mochi. Ouais, c'est ça. Donc, fraise, chocolat, mochi, fraise, chocolat. C'est comme je dis, voilà. Ah, effectivement, la pâte, mochi, on sent un petit goût de fraise. Mais dedans, voilà, vous avez toute la partie de la chocolatée. Qui masque, en fait, tout le goût du mochi.
C'est dommage. Est-ce que j'arrive à enlever carrément... J'essaie de massacrer un peu ce mochi là. J'essaie d'enlever la partie... Voilà. Là j'ai enlevé... Ah, je l'ai vraiment ouvert, hein. J'ai fait un gros bourrin. Hein. J'ai enlevé toute la partie chocolatée dedans. Et le chocolat... Ouais, c'est pas le meilleur. Faut pas dire, au Japon, certains chocolats sont très bons. Celui-là, c'est pas le méga, c'est pas le... Voilà. On va juste les altérer pour goûter juste la pâte mochi. Si on sent quand même bien le côté fraise. Alors, on sent la fraise dans la pâte mochi. C'est très léger, c'est très subtil. Donc c'est très très bon. Voilà, comme j'ai dit, malheureusement, dans ce mochi frais chocolat, le chocolat l'emporte dessus. Voilà. Donc nous avons plus le goût de chocolat que de fraise. Et c'est ce que je trouve malheureusement un petit peu dommage. Mais bon, sur ce, hein, on ne peut pas avoir que du négatif. L'ensemble de la dégustation, je trouve qu'elle est plus que positive pour une box pour mois de décembre et Noël. C'est sympa, j'aurais peut-être mis des trucs un peu plus spécifiques pour Noël. Mais, vu qu'elle est arrivée ces jours-ci. Mais sinon, franchement, elle était super chouette. En tout cas, j'espère que cette dégustation vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir, voilà. Parce que je vous avais promis que celle de décembre, vous l'auriez. Vous l'avez eue, voilà. Donc, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Donc, soyez forts. Et puis, à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.